Bonjour, c'est moi Alfred. Je suis encore en Italie. Je suis venu à la délégation des petites et moyennes entreprises pour défendre mon pays, le Congo. Je suis venu honorer mon pays, le Congo. Malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve abandonné ici à mon triste sort après avoir été violé, séquestré par un investisseur italien invité par la ministre. Je suis la seule. Aucune aide. Le premier jour, l'ambassade m'a aidé, m'a emmené à la police. J'ai porté plainte, m'a emmené à l'hôpital. J'ai pu prendre les premiers traitements. Et depuis là, je ne prends plus de traitements. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a même personne qui me conduit encore à l'hôpital. L'ambassade m'a abandonné. Au départ, pourtant, c'est l'ambassade qui s'occupait de moi. L'ambassade m'a même donné une avocate pour s'occuper de cette affaire. Mais après, la ministre Lydia Micolo a fait pression pour qu'on me mette dans l'avion, pour qu'on me fasse quitter l'Italie sans même la permission de la police, alors que la police a dit que je devais rester jusqu'à ce que je sois écoutée par monsieur le juge. Aujourd'hui, je suis là. Ce qui me fait mal, c'est que on m'abandonne. Pour la ministre, elle préfère protéger le violeur. Pour elle, le violeur a plus de valeur qu'une femme violée. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suis là sans médicaments.